fibres alimentaires sont des glucides qui traversent l'appareil digestif sans être digérés. Elles arrivent dans le côlon où elles subissent une fermentation par certaines bactéries qu'elles nourrissent. Nous hébergeons dans le côlon des milliards de bactéries qui peuvent être bénéfiques ou pathogènes. C'est la flore intestinale, connue aussi sous le nom de microbiote. Certaines fibres contribuent à la production de bactéries bénéfiques. Il existe deux types de fibres. Les fibres insolubles, telles que la cellulose que l'on retrouve dans le son de céréales, les pois, le soja et certains végétaux. Ces fibres insolubles ne se dissolvent pas dans l'eau. Elles restent en suspension dans les liquides digestifs, les absorbent et se gonflent. Elles ont un rôle mécanique sur le transit. À l'inverse, il existe des fibres solubles telles que l'inuline ou les fructo-oligosaccharides, appelées plus couramment les FOS. Ces fibres insolubles sont fermentescibles, c'est-à-dire qu'elles permettent de stimuler sélectivement dans le côlon le développement de bactéries bénéfiques pour la santé. Ce sont les bactéries probiotiques. Ces fibres améliorent le fonctionnement de l'intestin. Elles régulent le transit et réduisent donc diarrhée et constipation. L'inuline est une fibre extraite de la racine de chicorée. Comme elle arrive intacte dans le côlon, les bactéries peuvent s'en nourrir, aidant ainsi à la digestion. Les FOS sont digérés par le microbiote. Ils ont un effet prébiotique, favorisant ainsi la santé de l'intestin. Fibra Plus est une poudre de fibres 100% d'origine végétale, sans gluten, sans lactose, sans additifs, pour une action naturelle. 100% soluble, elle est composée à 50% d'inuline et à 50% de FOS. Pratique et facile à utiliser, le Fibra Plus ne modifie ni le goût ni la texture des aliments. Il se mélange facilement à toutes les préparations liquides ou semi-solides, à chaud et à froid. Fibra Plus peut être utilisé comme traitement de fond pour toutes les personnes qui souffrent de troubles chroniques, diarrhée, constipation, ballonnement. Il s'inscrit dans le cadre d'un régime équilibré. En répartissant les prises tout au long de la journée, vous augmentez progressivement la quantité de fibres présentes dans le système digestif.